Jean-Paul Richardet, je suis un des je suis chef de projet Anuma. On m'a demandé un petit peu de faire un peu d'animation aujourd'hui, voilà, pour un peu voilà. Je rappelle un peu est-ce qu'il y a tout le monde était là ce matin au début? Est-ce qu'il faut rappeler le programme, non ou pas rapidement? Tout à fait, monsieur, vous avez, on va vous donner satisfaction. Donc monsieur Thomas, tu nous rappelles rapidement pourquoi on est là pour ceux qui n'étaient pas là avant. Donc il y a un programme d'ouverture de données juridiques important et donc qui est sous la haute bienveillance de nos amis de la DILA, qui est la direction je ne sais pas quoi, mais l'information légale et administrative auprès du Premier ministre. Donc voilà, c'est sérieux. Et il y a un gros lâcher de données, j'ai compris. Alors moi j'ai pas tout suivi, mais ça m'a l'air assez important. Et l'idée c'est de d'une part de vous informer de ces données. Et aussi de voir dans quelle mesure on peut accompagner, soutenir, aider des projets existants ou à créer. Et donc ça, sous trois formes de projets, ça peut être des projets rapides, hein, des petits protos, des POC, des API, ça peut être des projets existants type association, start-up ou PME, voire même des projets plus lourds dans le cadre des gros machins, quoi. La première chose, donc aujourd'hui, ça va s'organiser de la manière suivante. D'une part, il va y avoir les porteurs de prix, s'ils sont là, qui vont se présenter, qui vont nous dire qu'ils vont un petit peu amuser la partie, comme on dit au poker, donc mettre un petit peu des prix pour motiver les équipes. Deuxièmement, on pensait faire des ateliers sur les défis ou les thématiques ou les enjeux pour essayer de recentrer un peu, donner des objectifs. Et expliquer peut-être s'il y a des développeurs ou des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou la compréhension de ces sujets dans le domaine d'usage, un peu de donner des objectifs et puis après de voir effectivement s'il y a des porteurs de projets qui veulent travailler. Demain, la suite des opérations, c'est demain au NUMA, toute la journée, il y aura dans la grande salle du quatrième, on pourra travailler sur les projets avec des mentors. Parce qu'il y a une belle équipe de mentors, donc des gens qui sont capables qui ont de l'expertise, qui peuvent vous conseiller soit sur les données, soit sur la technique, soit il y a du sémantique, il y a des choses intéressantes. Et puis l'idée, c'est que d'ici un mois à peu près, je parle sous le contrôle de Thomas, qu'il y ait une remise de prix, donc pour valoriser et récompenser les gens qui auront avancé ou qui ont des travaux en cours intéressants. Donc la première chose qui est un peu rigolote, là toujours c'est la même chose, c'est de demander à chaque personne de se présenter. Donc on va vous demander de vous présenter relativement rapidement, donc c'est votre nom. C'est venez mon cher ami, venez. Non, je parle à monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, venez nous voir. Donc l'idée c'est de dire un peu son nom, éventuellement l'organisation, l'entreprise, le département, la start-up qu'on représente, et puis pourquoi on est là, mais assez rapidement, quoi. Hein, pour que tout le monde puisse parler. Éventuellement, si vous pouvez vous lever pour que tout le monde puisse vous entendre. Monsieur Benjamin, à vous le micro. Merci beaucoup. Benjamin Jean, juriste. Bon, j'ai déjà un peu parlé de moi ce matin, donc je vais être très court. Il faut que j'explique nom, prénom, ce que je fais, mon intérêt pour... Donc voilà, j'ai une société qui fait du conseil dans la gestion de la propriété intellectuelle. On travaille essentiellement sur ce qui est open source, open data. Je travaille en cabinet, je enseigne le droit et bon, c'est des sujets qui m'intéressent. Je suis ravi d'être là. Et qu'est-ce que j'attends de l'événement? Justement, un peu de l'étonnement. J'ai envie de. Moi, je pense qu'il y a plein de choses super qui peuvent être faites. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'accès et la vulgarisation du droit. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui est localisation, tirer profit des technologies de localisation actuelles pour rendre le droit plus accessible au regard de là où on est à un instant précis. À vous, monsieur. Moi, je vais faire court, sinon on sera tous endormis avant la fin. Nicolas Chauvin, Logilab, on fait du logiciel libre et du web sémantique. On a fait par exemple data.bnf.fr. Je suis intéressé par... ce qu'on pourrait obtenir en appliquant les techniques qu'on utilise pour développer du logiciel libre pour écrire des lois. J'avais fait une présentation dans ce sens à la Fabrique de la Loi il y a quelques mois et je ne serai pas forcément là toute l'après-midi, mais voilà. Annabelle Quint, je suis enseignante-chercheure en droit
Et j'ai un projet de recherche et j'aimerais, enfin, je pense m'associer avec des informaticiens pour essayer de créer des applications numériques pour rendre le droit justement plus accessible à la population. Donc je viens un petit peu voir ce qui se passe. Bonjour, Jenny Gracie, juriste, linguiste, traductrice. J'ai une entreprise Clear Legal Writing. J'essaye d'aider à mieux communiquer le droit. Je réécris. Et je voulais me mettre à jour par rapport à ce qui se passe dans le domaine informatique. Merci. Oui, bonjour. Donc, Olivia Azarkat, fondatrice d'Imagie Droit. Comme vous l'avez peut-être vu ce matin, voilà, je combine droit et design graphique pour accéder au droit autrement. Et voilà, j'ai hâte aussi de voir quelles idées et projets vont émerger cet après-midi. Bonjour, Emmanuel Barthes, je suis documentaliste, veilleur, très intéressé par les données publiques depuis pas mal de temps. J'ai appartenu au conseil d'administration de l'association JuryConnexion et j'anime un blog qui s'appelle précisément .org, sur lequel il y a un compte Twitter du même nom, sur lequel j'essaie de suivre l'actualité de tout ce qui est documentation juridique en ligne et choses similaires. Bonjour, Anne-Claire Viala, je suis juriste en propriété intellectuelle à l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, qui est une agence à compétence nationale qui a pour mission d'accompagner les administrations dans la valorisation de leur patrimoine immatériel. Les données publiques, on est tous très intéressés par ce qui concerne la co-création et les outils juridiques. Bonjour, Axel Trouba, je suis également juriste et chef de projet à l'Agence du patrimoine immatériel de l'État et Anne-Claire vient de la présenter très bien, donc je passe le micro. Bonjour, Charles-Henri Dubail, je dirige Victoire Édition, qui est une société d'édition entre autres présente dans la presse professionnelle pour les communes, avec entre autres le Journal des communes. Et je suis ici beaucoup plus pour le développement d'un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, qui s'appelle Légilocal, qui vise à réunir dans une grande base l'ensemble de la norme locale, du droit local. Et à ce titre, d'ailleurs, ça m'intéressera de participer à un workshop sur cette question. Gilles Delaporte, Mondeca, rapidement, on s'intéresse à tout ce qui est open data, link data et web sémantique, et notamment toute la partie capacité à rendre ces données interopérables. Et on intervient sur ces sujets-là avec des gens qui sont notamment dans la salle. Voilà. Bonjour, Pierre Delbancu, je représente le Sénat aujourd'hui. Je suis administrateur à la DSI du Sénat. Le Sénat est partenaire producteur, mais pour cette première vague de projets, je suis là plus en observation pour voir comment, dans un deuxième temps, le Sénat pourrait s'associer à des futurs projets. Bonjour, Guy Lambeau, je suis avocat. L'activité du cabinet est essentiellement tournée vers la propriété intellectuelle et l'open data et la réutilisation des informations du secteur public. Je suis membre du GF2I et je représente le GF2I, et je ne suis pas le seul, au sein du COEPIA. Oui, bonjour, je me représente à nouveau, Stéphane Cotin, je suis le veilleur du SGG, donc je suis là pour veiller. Bonjour, UCIG, chef service documentation du SGG, et donc je suis veillé par Stéphane Cotin, et je suis là avant tout, c'est un monde un peu nouveau pour moi, donc pour me former. Bonjour à tous, Grégoire Saisy de la société Keluro. Alors c'est une société toute nouvelle et en fait on est en train de développer un produit pour aider les avocats dans la profession, pas vraiment au niveau du droit des données, mais plus l'autre côté de la profession qui est plus le côté avocat homme d'affaires, donc pour les aider à finalement gérer leur cabinet et faire évoluer leur cabinet. Bonjour, Priscille Stériade, j'appartiens à l'AFNOR, donc on met à disposition des normes, mais c'est aussi lié à la réglementation. Donc voilà, ça m'intéresse de voir un peu comment les deux peuvent s'articuler et comment on peut mettre à disposition des données intéressantes aux entreprises. Bonjour, donc moi je suis Vivien Mann, je suis chargé de mission au GF2I, groupement français d'industrie de l'information. On est partenaire du programme Open Law en fait, sur la partie sémantique essentiellement. Et on s'intéresse évidemment aux innovations qui pourront sortir de ce programme et on espère qu'il y aura de belles réalisations qu'on pourra porter dans le cadre de nos actions, de nos projets. Voilà. Bonjour, Jamal Rezouk de ViaSema. Nous sommes spécialisés dans le traitement sémantique de l'information.
notamment de celui de l'information juridique. Et nous sommes justement en train de remonter sous forme de link data les bases JORF et les J. Donc très intéressés par ce qui va se dire et se faire dans ce workshop. Bonjour, Thomas Bizet, de la direction de l'information légale et administrative. Je travaille au sein du pôle stratégie, plus précisément sur le DILAB, donc le laboratoire d'innovation de la DILA. Bonjour, Pierre-Alexandre Forêt, récent chef de produit à la DILA pour le site Journal Officiel, avec la mission de refaire ce site qui n'a pas bougé depuis 10 ans, avec sans doute des données très intéressantes. Bonjour, Pierre Larède, je suis chef de produit Légifrance à la DILA. J'en profite pour préciser que Légifrance, que la DILA est l'opérateur du site Légifrance, dont le responsable est le SGG, service documentation. Il est dans la salle, voilà. Bonjour, Laurent Niard, DILA également. Je travaille sur le sur Légifrance, notamment sur l'intégration du code ELI dans le cadre des projets européens. Bonjour, Hayat Cheikh, je suis responsable d'une BI Middleware Army Data, société de services informatiques au Maroc. J'ai deux raisons, en fait, ma présence ici, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on est en train de monter un centre de compétences open source, donc on est en train de monter un centre de compétences open source et je suis à la recherche de solutions à proposer à nos clients. La deuxième raison, c'est qu'on est sur un projet de modernisation du ministère de la Justice marocain. Et je suis en train de chercher des solutions à proposer à ce client dans le cadre de ce projet. Voilà, merci. Bonjour, Daniel Baird, je suis maître de conférence en droit à l'Université de Lille. J'ai créé avec des collègues la société Appli Droit, qui est en fait la première application pour smartphone et tablette à destination des étudiants en droit. Elle est gratuite, donc vous pouvez la télécharger gratuitement. Elle contient une partie de contenu gratuit, une partie de contenu payant. Et donc voilà, on a souhaité donc se lancer dans le marché des applications. Et donc en fait, on propose des fiches de révision donc sous la forme de grands arrêts qu'on commente au fil de l'actualité. Bonjour, Mélik Boudmag. Je suis entrepreneur et je suis en train de lancer un projet de start-up. On va dire pour aider les consommateurs à mieux comprendre leurs engagements contractuels, notamment sur les contrats du quotidien. Oui, bonjour, Karim Mancourt, Société Luxia. Donc moi je travaille sur Alinéa, que vous avez pu voir présenté par M. Ziani ici présent. Oui, donc Ismaël Ziani, je suis directeur général de la Société Luxia, donc éditeur d'une solution de droit en ligne avec des fonctionnalités à valeur ajoutée pour les professionnels. Bonjour à tous, Chérif Ramoul, avocat au barreau de Paris. J'ai une activité centrée sur le droit du travail et je suis présent ici pour observer l'accessibilité au droit et pourquoi pas l'accompagner dans un futur proche. Bonjour, je suis Jocelyn Henault, je suis doctorant à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et je m'intéresse tout particulièrement à l'open data et à la notion de propriété. Donc voilà, je suis là pour vous rencontrer et puis travailler avec vous sur ce sujet-là. Bonjour, Emmanuel Raviard, développeur à Etalab. Je travaille sur un simulateur socio-fiscal qui s'appelle OpenFisca et mon problème, c'est comment convertir l'ensemble de la législation socio-fiscale en code. Bonjour à tous, Mathieu Bernard. Donc là, je représente une start-up qui s'appelle Judica et qui fait quelque chose d'assez similaire à Luxia. Bonjour, Ferreira Denis, je suis développeur pour la société Légitime qui édite le site du Village de la Justice, donc qui est un site communautaire. On va essayer de mettre l'accent aujourd'hui sur la partie emploi où on aimerait savoir comment mêler l'open data et l'emploi pour rendre plus de services aux candidats qui cherchent un emploi dans les métiers du droit. Bonjour, Pierre Markov, donc Société Légitime, éditeur du Village de la Justice. Je remplace au pied levé Christophe Albert, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, on va vous présenter un petit peu notre projet. Bonjour, Soumy Saint-Auguste. Je travaille pour le groupe Lefebvre-Saru, dans le département Recherche et Développement. Bonjour, Tiffaine Voltzen-Logel, je suis chef de projet digital au sein d'AXA Protection Juridique. On regarde de très près actuellement les start-up et les initiatives digitales pour faciliter l'accès aux droits auprès du grand public. Bonjour, Magali Granger, donc je suis également chef de projet digital au sein d'AXA Protection Juridique.
Bonjour, Christophe Larvor. Donc, je suis là en remplacement de Fabien Vechter de la société Lexbase, éditeur 100% juridique. Voilà, donc nous, on sera intéressé notamment par améliorer tout ce qui est recherche de jurisprudence. En fait. Bonjour, Alexandre Deliot, société Krill. Donc moi, je suis plutôt du côté des créateurs de normes. En fait, j'ai conçu le logiciel Magicode pour la codification, le renouveau de la codification à la française, qui a servi à l'élaboration de 35 codes à peu près, plus des expériences internationales, Cambodge, Vietnam, Maroc. voilà, donc d'autres outils informatiques pour le suivi du débat parlementaire, pour la gestion des amendements. J'ai participé aussi à Légie-Calédonie, en fait, la suite, j'irais, d'outils informatiques qui permet effectivement d'élaborer en fait une chaîne de traitement de la production jusqu'à l'édition. Voilà. Bonjour, Romain Pignard, je travaille à Bibliothèque Sans Frontières, donc vous avez pu voir le projet de bibliothèque juridique virtuelle ce matin. Et je suis là pour réfléchir sur comment on pourrait améliorer et développer notre activité. Bonjour, Romain Cousin, société LexisNexis. On a parlé ce matin, pas forcément bien. Bonjour, Anne Latournerie de la DILA, je suis conseillère pour la stratégie numérique et je suis là pour voir et comprendre les projets qui émergent. Bonjour, je m'appelle Jade Caboche, je suis étudiante au sein du Master 2 Droit du numérique, administration et entreprise et je vais être en stage au pôle stratégie de la DILA. Bonjour, donc Samuel Le Goff, journaliste chargé du numérique et du Parlement à contexte.com. Bonjour, Isabelle Maïrchak, je travaille à la DILA sur les bases de données juridiques, notamment Légifrance, en tant que juriste, et je m'intéresse à tout ce qui est projet open source, open data à la DILA. Bonjour, Florence Blanc, je travaille aussi à la DILA, à la délégation à l'innovation. Emmanuel Cortez, directeur de programme. On est nombreux de la DILA, c'est aussi pour répondre à toutes vos questions sur les données, hein, rassurez-vous. Et on souhaite vous en faire profiter et qu'on en profite. Voilà, directeur de programme. Bonjour, Laurent Carrard, je suis responsable de l'infocentre des publications régaliennes, donc qui produit et met à disposition les données juridiques et accessoirement éditeur juridique public. Bonjour, je suis Thomas Sicardi, je travaille également à la DILA et je travaille plus particulièrement sur le lois et décrets. Bonjour, je suis Antoine Champagne, je suis journaliste pour le site reflet.info. Donc, je crois que la DILA a gagné au nombre. Bon. Maintenant, il va falloir un peu... Bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir... je ne vais pas vous faire le truc sur l'intelligence des foules, mais bon, enfin là, il y a de l'intelligence et il y a une foule. Et donc l'idée, ça va être un peu d'organiser un petit peu, tout en laissant de la liberté, de la créativité, pour essayer de fédérer toutes ces énergies vers quelques projets riches qui vont naître. Alors on avait deux choses, je crois, c'est parce qu'on avait un peu travaillé. Donc dans l'ordre du jour, Monsieur Thomas, maintenant, on a les porteurs de prix. Alors... de prix, donc on a plus que 5. On a perdu en route hier soir. Bon, il s'excuse, ça, il y a des raisons, peut-être qu'il viendra plus tard. C'est le monde du droit qui avait proposé un prix pour la veille juridique, mais ça nous empêchera pas d'innover sur la veille juridique, notamment avec Emmanuel Barthes qui sera le mentor. Donc on va vous présenter très succinctement, mais bien sûr, les porteurs de prix sont là, peut-être pour ils seront dans les workshops ou pour répondre à vos questions plus tard. Sachez qu'on les a un petit peu. Speedé, pour ne pas parler français, dans ces derniers jours pour arriver avec un prix, avec un projet, etc., à présenter aujourd'hui. Donc c'est encore très récent pour certains d'entre eux. Mais on les remercie vraiment d'avoir joué le jeu parce que voilà, c'est pas évident, c'est nouveau pour tout le monde. Et chacun, à son niveau, s'est engagé, va proposer quelque chose pour stimuler l'innovation avec un calendrier propre. Donc je vais les laisser présenter leurs différents prix. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Village de la Justice. C'est un site qui a été créé en 1996. En fait, l'idée au départ, c'était de faire se retrouver sur un site internet des avocats, des notaires, des huissiers, des juristes d'entreprise, etc.
Et ça a très très bien marché très vite sur les avocats et les juristes d'entreprise. Bon, les notaires et les huissiers ont préféré créer leur site à part, etc. Donc on existe depuis 1996, on fait maintenant à peu près 800 000 visites par mois certifiées au JD. On a une grosse rubrique emploi depuis le début en fait, avec un certain nombre. En fait, on fait un certain nombre de choses. La première annonce est gratuite, etc., pour que les gens puissent nous tester depuis le début. L'idée était justement de développer cette ressource. On a maintenant un certain nombre d'informations, de données qui arrivent des gens qui recrutent, des cabinets qui s'installent, parce qu'on a petit à petit développé aussi des informations sur les cabinets d'avocats, des informations sur le droit, etc. Donc on a un certain nombre d'informations qu'on voudrait organiser et pouvoir utiliser pour, comment dirais-je, faciliter le travail des gens qui cherchent un emploi et des recruteurs, enfin, faire en sorte une application pour que tout le monde trouve facilement un emploi. Donc je remplace au pied levé Christophe Albert, qui connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je connais plus la partie papier, donc il s'occupe de l'Internet. Donc si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir dans la mesure de mes compétences. Vous avez un montant pour le prix, je crois. Oui, on a doté 3000 euros, je crois. Ou 2000. La gaffe. Non, mais on est, je crois qu'on a fait les contrats sur 2000, mais bon, voilà, on est prêt à partir jusqu'à 3000, il n'y a pas. Et le calendrier, vous avez une date pour la... Alors ça, par contre, c'est Denis qui va gérer, parce que c'est lui l'informaticien, on va dire, le webmestre. Donc pour la partie date, etc., je vais le laisser parler. Donc, bonjour à tous. Donc en termes de délai, on n'a pas de délai précis. Hein, ça peut être quelque chose qui peut s'organiser sur une année en fait, environ. Sur les 6 mois, voilà, l'open law. Voilà, restons dans la loi. Donc on a un défi à vous proposer. Donc ça serait comment améliorer en fait les services rendus aux candidats quand ils recherchent un emploi sur notre site. Et le tout, c'est en fait faire ça avec différentes sources de données. Donc nos sources, on est prêt à mettre à disposition de manière anonymisée nos sources de données internes, que ce soit nos annonces d'emploi ou une enquête aussi des données d'enquête de revenus qu'on a fait auprès des professionnels du droit. Et ainsi que, donc aujourd'hui on est là pour ça, comment mêler l'open data pour faire en sorte que les gens trouvent plus facilement un emploi. Voilà pour le défi, donc, qui est doté d'un prix de 2000 euros. Voilà. 3000, allez. Allons-y. Merci messieurs, merci au village pour sa participation. Je précise que dans la première série de workshops, on propose déjà 6 défis. Donc il y a un défi qui concernera les services à proposer aux professionnels du droit et aux étudiants, dans lesquels on retrouvera notamment Appli Droit. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, ça sera ce workshop. Je précise que par exemple pour les étudiants en droit, il y a aussi tout ce qui concerne l'orientation. On ne sait pas trop si on a en open data la liste des masters des différentes facs de droit, des débouchés, de la durée moyenne d'embauche. Après, ouais, il y a beaucoup de choses à développer autour des données ouvertes ou pas ouvertes. Et vous voyez que c'est assez original l'apport de Village Justice qui sont prêts à apporter aux porteurs de projets, à mettre à disposition des données qui sont à leur disposition en tant qu'éditeur. Giraud va nous présenter le prix de droit.org, qui est un des précurseurs de l'open data juridique, hein, qui est déjà une vieille association. Et, donc, bonjour à tous, je suis Giraud Lame. Effectivement, j'ai un peu l'impression de faire partie des dinosaures avec de l'informatique juridique, avec la présentation de tous vos profils qui m'impressionnent beaucoup. Je suis ravie d'être là. Donc je représente droit.org, qui est une association qui a été créée formellement en 2007 dans la suite des travaux de plusieurs structures, notamment l'École des mines de Paris, qui avait mis en place le premier site de diffusion du droit sur Internet. Il y avait également la structure de Paris 1, l'association Henri Capitan, le cabinet Gide, etc. Donc tout un ensemble d'acteurs dans le domaine de l'informatique juridique se sont réunis autour d'une association, donc droit.org. Et donc, on souhaite promouvoir, alors pas tout seul, avec également le DIU, DEI,
le diplôme interuniversitaire droit et informatique des universités Paris 1 et Paris Sud. Donc c'est un diplôme qui a été créé l'année dernière, qui totalise 142 heures d'enseignement et qui est à vocation, qui est à destination des étudiants qui ont un master 1, mais aussi des professionnels. Et l'objectif, c'est de former ces personnes-là à toutes les interactions qu'il peut y avoir entre le domaine du droit et le domaine de l'informatique, pardon. Donc toutes les thématiques que vous avez pu chacun aborder dans vos descriptions de profil. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes intéressées, la promo 2014-2015 est en train de se constituer. Donc vous pouvez aller sur internet voir le diplôme interuniversitaire droit et informatique. Je crois que là, ça y est, j'ai fait la bonne retape qu'on m'avait demandé de faire. Donc ça, c'est fait. Donc pour tout dire, que droit.org et ce diplôme soutiennent un prix pour ces travaux que vous avez envie d'initier, et c'est très bien. Donc c'est un prix autour de la normologie juridique. Il s'agit de tout ce qui est les techniques de normes des données juridiques électroniques, évidemment. Donc que ces données soient de la loi ou de la jurisprudence, et il y a déjà plusieurs normes qui existent, qui ont été lancées par un certain nombre d'institutions, notamment européennes. Mais on a un focus particulier, on aimerait bien qu'il y ait un focus particulier sur la donnée doctrine. Et donc toute la normologie de la doctrine en open source, en open access sur Internet, puisque on connaît tous l'enjeu de la diffusion du droit sur Internet en libre accès, et nous on voudrait zoomer sur la doctrine dans cette composante-là. Voilà, donc du coup, ce qu'on attend, les livrables, ils sont assez larges. Ça peut être du code, ça peut être un article, ça peut être une proposition de norme, enfin, peu importe quoi. Évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir décrire ces données juridiques et de pouvoir faire en sorte qu'elles se lient les unes avec les autres et que du coup, on puisse capitaliser sur ces données. Donc du coup, le jury sera composé de membres de l'association droit.org, de chercheurs associés au diplôme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc il est doté de 1000 euros. Donc désolée, je baisse le standard, mais on est une petite association avec des petits moyens. Quand même, c'est pas que symbolique. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir rencontrer les personnes et les accompagner, les personnes qui voudraient postuler à ce prix-là. Pouvoir les rencontrer et les accompagner pour avancer sur ces projets-là. Et l'objectif, c'est de décerner un prix plutôt vers la fin du cycle, donc mars-avril 2015. Voilà. Merci. Donc l'open access, représenté par droit.org. Donc on est très heureux parce que les industriels, via le GF2I, représenté, il y a un certain nombre de représentants, il y a Jean Delahousse et Denis Berthaud qui sont là. Le GF2I s'est engagé à nos côtés pour proposer un prix pour des choses qui sont peut-être plus B2B au départ, mais pas forcément, autour notamment du web sémantique, du web des données juridiques. Jean Delahousse, donc, qui est expert sur ces sujets, va nous présenter. Merci. Voilà, donc on est à deux, Denis et moi. Un mot sur le GF2I, donc c'est une association professionnelle. Le GF2I a 126 adhérents. J'ai Vivien qui est en face de moi, qui fait le contrôle direct, fact-checking, qui regroupe des éditeurs, des agrégateurs de contenu, pas mal d'administrations, donc de grandes administrations, dont la DILA, d'éditeurs juridiques, dont pas mal d'éditeurs sur des contenus ou liés à de la sémantique, ou liés à du text mining, ou liés à des technologies comme ça. Donc on a à la fois les professionnels et à la fois les gens qui leur fournissent les outils. Il y avait deux axes, donc le GF2I développe des axes de réflexion et de travail avec des groupes de travail. Denis représente le groupe, ou anime d'ailleurs le groupe Open Data, et j'anime le groupe Web Sémantique, avec dans ma part une partie plus technique, dans la part de Denis une partie plus politique. Peut-être, voilà. Non, mais plus moins technique. Voilà. Et donc, bref. Et donc, le GF2I souhaite organiser un prix et offrir un prix, donc avec une thématique effectivement qui est un peu liée à ces deux aspects, open data et technologie et web sémantique, c'est-à-dire c'est un prix qui récompenserait, je vous regarde parce qu'en fait je pense à vous dire, mais c'est un prix qui récompenserait une application, qu'elle soit grand public ou pas grand public, c'est pas très grave, mais qui valorise effectivement l'utilisation qu'est en train de préparer la DILA, Jamal en a parlé, sur le fait qu'on va avoir des données accessibles dans des,
dans des formats web sémantiques et qui connecterait par exemple les données de l'Europe. Et donc Peter Schmitz en a parlé ce matin, qui sont accessibles 100% dans des formats de web sémantique. Donc en fait voilà, l'idée ce serait, l'usage n'est pas très important, mais que ces technologies soient valorisées et qu'on en voit la valeur ajoutée en termes de productivité ou de créativité. Et le prix, alors là, nous on est les plus radins, parce qu'on est vraiment, en fait on est hyper pauvres, et donc financièrement, mais par contre, non, le prix est, donc ce serait une visibilité, le gagnant aura une visibilité au forum qu'organise le GF2I, donc la capacité d'intervenir en plénière, d'expliquer ce qu'ils font, de présenter le produit, une adhésion au GF2I sur une année, et donc la participation, s'ils veulent, qui est une participation avec pas mal de professionnels, au groupe Web Sémantique, au groupe Open Data. Voilà. Voilà pour le. Vivien, j'ai tout dit. Denis, je t'ai pas laissé parler. Oui, nous on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose de partager. On est très désireux de voir naître des applications innovantes. On milite pour que des données, maximum de données sur des formats RDF, donc des applications, comme le disait Jean, qu'elles soient grand public ou pas grand public, c'est pas très important. L'important, c'est qu'elles innovent sur le sujet, qu'elles montrent ce qu'on peut exploiter de ces données pour donner envie, parce qu'il y a aussi une démarche derrière, c'est donner envie à d'autres administrations de mettre des données de bonne qualité en ligne pour que d'autres applications, de nouvelles applications soient créées. On appellerait ça aujourd'hui créer un cercle vertueux. Voilà. Tout à fait, cercle vertueux, y compris entre la DILA et les éditeurs, hein, puisque, comme on l'a pas mal évoqué depuis ce matin, la DILA est engagée dans des travaux d'expérimentation, à la fois d'identification, d'alignement de ses référentiels, à la fois aussi dans une réflexion sur la stratégie abordée sur la place de la DILA sur le web des données, sur le web sémantique. C'est une administration qui a toujours su s'adapter aux évolutions technologiques depuis 150 ans, donc il nous semble en tout cas important de définir le rôle que pourrait avoir la DILA à moyen terme sur ce web des données, de réfléchir avec les éditeurs aussi sur les nouvelles chaînes de valeur, puisque on voit bien que l'open data déplace beaucoup de choses. Hein, et je précise que demain, plus concrètement, on aura parmi nous sur le premier Legal Hackathon, donc qui se tiendra au Nouma, mais on en reparlera tout à l'heure, on aura notamment la société Temis, qui est éditrice de Luxit7, donc peut-être qu'ils reparleront, et un mentor, Gabriel Québec-Client, qui est le directeur de l'association DataLift, qu'on utilise déjà à la DILA pour l'enrichissement sémantique de nos données. Voilà. Merci au GF2I. Je vais donner la parole à Alex Baz, je crois qu'il est représenté, qui fait un prix plus sur la jurisprudence, les moteurs. Donc tu représentais Fabien. Merci, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas tellement l'habitude de m'exprimer en public. Je suis là en remplacement de Fabien Wächter, président de l'Exbase. L'Exbase est un éditeur 100% Internet, éditeur juridique 100% Internet. On utilise largement les données de la DILA pour alimenter notre base de données. Et notre souhait aujourd'hui, c'est d'essayer d'améliorer. La force de notre site, c'est essentiellement son moteur de recherche. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est essayer d'améliorer la pertinence des résultats de recherche, et notamment sur la jurisprudence. Donc aujourd'hui, on est porteur d'un prix de 2000 euros. Oui. On souhaiterait encourager l'innovation sur justement la recherche dans la jurisprudence et notamment sur les faits. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à chercher des informations sur la totalité des documents, mais on souhaiterait réaliser cette recherche uniquement sur les faits de la jurisprudence. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais pardon ? Voilà, c'est ça exactement. Voilà, l'effet des faits. Donc, excusez un peu
la communication laborieuse, mais je pense que j'ai réussi à... Comment dire Voilà. Merci Alex Bad. Donc typiquement un éditeur qui s'engage dans un processus d'innovation collaborative, hein, au lieu d'être uniquement sur de la R&D interne, qui s'ouvre sur une problématique de recherche et qui est donc ouvert à des propositions. Je vais dire un petit mot rapide, à moins qu'Emmanuel veuille le faire à ma place sur le prix d'ILA. On en a déjà parlé un petit peu ce matin. Donc nous on a un prix, bon pour le coup, qui est un peu doté financièrement, 10 000 euros, mais... 10 000 euros, mais qui se décompose en trois prix, donc à prix à 5 000, le prix du jury. On a un jury assez hétérogène, composé outre de l'ADILA, de Pascal Petit-Collot, président de l'ADIGE ici présent, de Jean Gano, président de Jury Connexion, de la directrice générale, Mme Bourlange, de l'APIE, et du directeur d'Etalab, Henri Verdier, et j'oublie personne, hein. Non. Okay. Donc on a voilà notre jury. Sur le calendrier, on a souhaité être les premiers pour stimuler un petit peu les premiers projets, hein, encourager la réutilisation de nos données ouvertes. Je parle sous le contrôle de Thomas, un peu comme toi et Vivian. C'est le 27 novembre qu'il faudra nous remettre le dossier de candidature. Le jury va se réunir. Il y a une date où on vous demandera de venir nous présenter oralement, défendre vos projets. Et juste avant Noël, le 17 décembre, on remettra un beau chèque aux gagnants et le D-Lab et les équipes de la D-Lab accompagneront les gagnants dans le développement de leur projet. Voilà, je n'en dis pas plus, mais les équipes de la D-Lab connaissent beaucoup mieux nos données que moi et pourront vous expliquer plus concrètement. Je ne sais pas, Paul, maintenant, peut-être qu'on dit un mot sur les défis tout de suite ou... Tu peux nous rappeler rapidement les données? Oui, ouais. Alors, ça marche. Alors, on vous a recensé, c'est un work in progress, hein, je précise, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait à rejoindre la communauté Legal Innovation Paris, c'est un meet-up. On ne fait que copier nos amis américains, ou aux États-Unis, on a une communauté de legal hackers, oui, j'insiste sur ce mot, dans chaque grande ville. En Europe, il y en a une à Oslo, une à Londres. Aujourd'hui même, on lance la communauté parisienne, donc voilà, on est déjà 70 en ligne. Le but, c'est d'enrichir les discussions en ligne. On va faire partir des workshops cet après-midi, mais il faut penser vraiment contribuer en ligne. Et vous trouverez donc dans le site OpenLaw, rubrique ressources, le recensement des données ouvertes. Dans le meet-up, on a appelé à enrichir. Donc, je vous les présente succinctement. Donc, les données de la DILA, donc, les bases, les J, JOREF, on en a pas mal parlé. Constit, donc la justice constitutionnelle, circulaire, on a parlé. CNIL, CALI, on n'a pas beaucoup parlé. Je vois qu'il y a un avocat spécial en droit du travail. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire autour des conventions collectives. Hein. Sachez que cette base est ouverte donc, depuis le mois de juin sur la licence ouverte. Les bases de jurisprudence, il y a une petite complexité juridique parce qu'on est dans des données publiques comprenant des données personnelles. On est en train de régler ça entre CNIL, Etalab, CADA. Mais en tout cas, elles sont déjà réutilisables dès maintenant. Il suffit de nous envoyer un mail via l'adresse qui est indiquée ici. Il ne faut pas oublier, on a également, elle a dit là, tout le guide vos droits et démarches, hein, service public, vie publique, également ouvert. On vous a recensé un certain nombre de bases de données. Alors, elles ne sont pas encore forcément ouvertes, mais sachez que la DILA n'est pas aujourd'hui exhaustive du droit national. À peu de choses près, mais on a par exemple la base de l'éducation nationale. Le DSI m'a dit hier qu'il réfléchissait à l'ouvrir pendant l'Open Law. C'est la base RLR. Il y a la base du Quai d'Orsay des traités, des accords internationaux de la France. Et on a la base de la fonction publique, hein, Véronique Tozac va nous rejoindre ici, qu'on appelle la BJFP. Ils sont également sur un process d'ouverture pendant l'Open Law, qui pourrait en plus aider la DILA à reprendre ses données ultérieurement dans Légifrance. On va trouver, bien sûr, tout ce qui est avis, conseil de la CADA. Jean Delahousse sera notre expert pour tout ce qui est API, réutilisation du droit européen. On a toutes les données d'association. Alors ça s'est passé un peu inaperçu, mais la DILA a également ouvert au mois de juin les données sur les associations reconnues d'utilité publique. Elles ont même été reformatées via la communauté pour faciliter la réutilisation, tout ce qui est compte association. Donc ça c'est sans doute très intéressant à utiliser. On a toute une série de données statistiques sur la justice et que ce que je pourrais citer également. Voilà, c'est déjà pas mal. Côté open source, on a le projet que je vous ai présenté ce matin, mais il n'y a pas encore grand-chose.
L'open access, il y a toute la doctrine libre qui est diffusée, mais qui n'est pas forcément réutilisable, même si une partie est sous Creative Commons. Et côté open content, il y a la base de données du ministère de la Justice, Justimemo, que j'avais, le projet que j'avais porté dans d'autres fonctions, qui a ouvert sous Creative Commons un certain nombre de contenus vidéo, film, infographie, texte qui concerne le droit et qui est également réutilisable. Donc voilà, servez-vous, n'hésitez pas aussi à enrichir, faciliter la réutilisation. C'est nouveau, hein, ça vient d'arriver depuis le mois de juin. Pardon ? C'est des dons ? Comment elles se présentent ? Alors, Emmanuel en a dit un petit mot ce matin. XML, les DTD. Donc pour les données hébergées par la DILA, donc les principales bases qu'a montré Thomas au début, c'est donc des archives XML. C'est des archives dans lesquelles on a mis l'ensemble des flux XML. Le principe de constitution est basé à l'article. Donc quand vous ouvrez, il y a une arborescence qui remet à l'article. Selon le type de base, il y a bien sûr le lien avec le versionning, on est dans des bases consolidées. Une seule base n'a pas de contenu XML, c'est la base circulaire, vu qu'en amont, on reçoit que des documents PDF, certains même au format image. Donc on ne fait pas de retraitement, donc il n'y a que les métadonnées en XML. Donc voilà, ça c'est pour toutes les données. Peut-être Thomas t'a remis au début, si tu remontes. Voilà, c'est là ce que je vous dis là, c'est pour genre Flégy, Kali, JAD, Constit, K5A, CAP, CNIL, et donc circulaire, juste avec cette modalité. En termes de livraison, on livre régulièrement un stock, et jusqu'à ce qu'on relivre un stock, on livre des flux, vu que les bases, par exemple, JRF et Légy, sont mis à jour tous les jours, vu qu'on publie régulièrement, comme tout le monde le sait. Donc si vous y allez, vous retrouvez bien, là on a remis à jour le stock hier, et donc il y a le flux de hier qui a été consolidé, qui a été mis en ligne ce matin. Pour être tout à fait complet, un petit mot sur les données parlementaires. On a les représentants du Sénat. Vous savez que le Sénat est une institution qui a joué le jeu de l'open data très très vite, même avant la DILA. Donc on a Data Sénat, donc toutes les données du Sénat sont ouvertes. Et on a également la fabrique de la loi. On a vu Regards Citoyens ce matin, ils remettent à disposition les données créées. Voilà. Et juste pour conclure, sachez que la DILA est également ouverte, mais ça vous l'avez compris, la DILA est ouverte, mais la DILA peut également vous mettre à disposition des données qui ne sont pas forcément ouvertes aujourd'hui, pour des expérimentations, des projets que vous allez nous proposer. On pense notamment au référentiel SARD, dont mes collègues pourraient vous dire un mot. On pense avec nos partenaires de nos POC, aux Link Data, JURF, Légy, et on pense bien sûr aux données économiques du BODAC, du BALO et du BOMP. Donc ça, on peut vous le mettre à disposition contre une petite un cadrage juridique où vous vous engagez à ne pas mettre à disposition en divulgation publique ces données, mais c'est tout à fait envisageable dans le cadre de l'open law. Voilà. Beaucoup de choses, hein. Encore te faire travailler. Alors, bon, donc, l'idée, là, maintenant, c'est de monter des groupes de travail, hein, et, parce que vous êtes nombreux, et le groupe de travail, c'est quoi? C'est entre 10 et 20 personnes, parce qu'après, les gens ne peuvent pas participer. On va aller progressivement, donc on avait pensé, d'une part, travailler sur des enjeux, sur des défis ou des grosses thématiques, et puis partir de ces grandes thématiques pour, à la fin de la journée, se rapprocher plus des projets individuels. Voilà. Donc, la première partie, il y avait une liste qui a été faite quelque part, qu'on va retrouver, qui sont les enjeux qui ont été plutôt sélectionnés par la DILA et les membres des porteurs de prix. Après, on va vous demander à vous, dans une seconde série d'ateliers, de dire quels sont les sujets qui vous intéressent. Alors, ça peut être les mêmes ou peut-être une approche un peu différente, peut-être plus utilisateur ou plus technique ou plus business, pourquoi pas d'ailleurs. Voilà. Et puis, à la fin de la journée, que les gens qui sont déjà, qui ont déjà une idée d'un projet puissent commencer à l'exprimer de façon plus ou moins formelle et éventuellement de chercher des copains ou des partenaires ou des personnes qui pourront apporter de la complémentarité. Une des petits soucis qu'on va avoir, c'est de trouver des développeurs. C'est toujours en fait, voilà, c'est comme une voiture sans moteur, on ne va pas très loin. Alors, il y a un monsieur qui m'a suggéré, qui sont les développeurs ici, s'il vous plaît? Est-ce que les développeurs? Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être un peu chaud. Parce qu'il en faudrait plus. Voilà. Alors, on va essayer d'aller pleurer dans les étages pour ce qu'ils sont un peu pris, parce qu'il y a tellement d'événements aujourd'hui ici qu'on a du mal un peu à... Voilà. Ça, c'est une chose, c'est d'identifier des gens qui sont capables de réaliser le projet.
ne suffit pas d'avoir l'idée. L'idée, c'est pas grand-chose, c'est la réalisation qui est la plus difficile. Enfin, on va commencer par des choses intellectuelles, donc les défis ou les thématiques, vu de votre côté. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas coller au prix, parce que sinon, c'est un prix, un défi, c'est pas... Voilà, on a essayé d'agréger des choses. Donc, je vais vous présenter succinctement et je vais demander à un leader, voilà, c'est un leader, de se proposer. Enfin, certains sont déjà bien identifiés. Le premier, voilà, avec juridique, Emmanuel Barthes. L'idée, c'est que vous suiviez ensuite le responsable du workshop, où on va trouver une salle, quelque chose. Et ensuite, chaque équipe restituera ses propositions, éventuellement son projet. Donc, le premier... Ouais. Il y a deux salles dans les étages, au deuxième étage, et donc on va faire 5 ou 6 groupes, hein, pas trop, donc il y aura 2 au moins là, et puis ici 3 ou 4. Voilà. Okay. Mais il y a peut-être des défis qui vont mourir s'il n'y a personne, par exemple, moi. C'est la règle, moi je sais que mon défi, peut-être il n'y aura personne. Un bon défi qui meurt, au moins c'est un problème. C'est ça. Alors le défi veille juridique, donc Emmanuel, toujours ok. Donc voilà notre leader, célèbre veilleur parmi nous. Donc, veille juridique, on vous a remis ici ceux qui ont pas eu le PDF, je l'ai envoyé à tous les gens dont j'avais le mail hier soir, donc je vous invite à vous le repartager pour ceux qui ne l'ont pas eu. Donc l'idée c'était effectivement d'encourager des solutions en quoi le droit ouvert peut faciliter, faire évoluer la veille, comment enrichir les sources des éditeurs des solutions de veille, quels besoins pour les professionnels. Donc on a l'ADILA qui cherche à faire évoluer son produit sommaire du loi et décret. On a également droit.org hein, par rapport à la doctrine en libre accès qui peut encourager des prix sur ce sujet. Donc voilà, prix, veille juridique avec donc Emmanuel Barthes. Peut-être qu'on trouve un lieu tout de suite, non, pour, Non. On va aller faire voter. D'accord. Ensuite, services en ligne pour les métiers du droit. Donc là, peut-être que c'est un mentor côté Village de la Justice. Ouais, ok. Donc là, c'est profiter du prix du Village de Justice, hein, qui est prêt à mettre sur ses données. Il y a peut-être des données, comme on l'a dit, qui sont à recenser. Il y a également Appli Droit hein, pour tout ce qui va concerner les services aux étudiants. Pourquoi pas Luxia aussi, qui nous a dit qu'ils étaient prêts à mettre sur leurs données. Voilà, donc il y a également sur le Village de Justice, vous avez sur JuryShop. Un recensement de toutes les solutions à disposition des juristes, donc l'état de l'art, que je vous invite à consulter pour proposer des choses là-dessus. Donc là, ton prénom déjà c'est Denis. Ok, donc Denis, leader du deuxième prix. L'accès au droit en mobilité, donc là ça intéresse beaucoup la DILA pour ses prix, toute solution innovante à partir des données ouvertes pour favoriser l'expérience en mobilité. Donc je vous laisse lire, il y a un certain nombre de questions que les équipes se posent concrètement pour développer nos outils, et notamment l'application Légimobile. Voilà, demain, sachez que, bah, finalement, il m'a dit non, mais il n'est pas dispo, Christian Cast, mais on va faire un meet-up spécifique à la DILA. De plus en plus, on va être capable d'extraire du JO des données qui ont une information géographique. Par exemple, vous avez des arrêtés ministériels où il y a les ZEP. On a eu l'actualité récemment avec Montpellier, quand vous avez des catastrophes naturelles, un arrêté, etc. On a des Natura 2000. Enfin, on a un certain nombre de choses qui pourraient comme ça être extraites de la matière légale et d'être reversées dans les solutions Carto. On a également, il n'est pas là, je crois, Guillaume Adriani, mais ils sont prêts à mettre à disposition des données sur la liste des délégués du défenseur du droit à leur permanence. Le ministère de la Justice avait ouvert toutes les données géocodées de l'accès au droit en France, avec les permanences, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire des deux côtés, hein, sur accéder aux droits en mobilité et développer, valoriser les services d'accès aux droits sur le territoire. Donc là, un leader, je ne sais pas qui ça peut être du coup, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dégage qui, sur la Carto, mobilité mobile. Non, personne. Bon, bah, c'est dommage, il va... Bon, il y a un défi 3, on mettra une salle et peut-être que les leaders émergeront dans les discussions. Défi 4, alors évidemment, c'est celui qui intéresse beaucoup la DILA, parce que ça recoupe nos missions de service public, vulgarisation et compréhension du droit. Donc, vulgarisation et compréhension du droit. Donc là, peut-être Olivia, hein, on t'avait bien pressenti là-dessus.
Donc voilà, la refonte de servicespublic.fr, l'évolution du site du JO, les nouvelles ressources de la France, beaucoup de choses pour nous. Emmanuel en a parlé ce matin avec Elena, diffusion, format des données, les infographies, la datavise, et tout ce qui peut, je crois qu'il y a des gens de Clarity, hein, tout ce qui peut, le langage clair, tout ce qui peut favoriser la compréhension du droit, ça nous intéressera pour les prix. Voilà. Le Link Data Juridique, donc là, on a notre leader bien identifié. Avec l'idée, là, comme l'idée, parce que c'est... l'idée, c'était quand même que ce soit lié au fait qu'on connecte des données juridiques nationales et européennes, quoi, pour préfigurer les systèmes qui vont venir, où tous les droits nationaux seront reconnectés entre eux par le droit européen. Donc, effectivement, c'est cet aspect-là qu'il y avait dans ce défi-là. Pas que le Link Data. Et vous avez un certain nombre d'experts, GG Dila, présents, qui connaissent bien tout ce qu'on appelle ELI et CLI, donc les identifiants uniques pour la loi et la jurisprudence. Oui, c'est ça. Et on aura le soutien officiel, vous l'avez rencontré, mais on aura le soutien officiel de l'Office des publications. Donc on aura accès aux développeurs, accès aux docs. Moi, je connais bien pas mal de choses. Donc on aura un vrai support pour ceux qui se mettront dessus. Et dans les deux premiers Legal Hackathon, donc si on est en Ouma demain et le samedi 8, vous pourrez bénéficier des mentors, notamment on l'a dit, donc Pierre Larède, ici présent, Thomas Bizet qui suit le développement de nos POC et Martine de Guisseau qui sera présente le samedi 8, qui pourront accompagner les porteurs de projets, et donc Jean Delahousse et Denis Berthaud qui seront là demain, je crois, tous les deux. Oui, Denis Berthaud qui sera un mentor demain, et Jean, toi tu as un statut, pas de mentor mais presque mentor, il sera présent quand même. Et le dernier, c'est celui moi qui m'intéresse. Je vous ai un peu présenté ce matin, oui, c'est pas le seul qui m'intéresse, bien sûr, mais... donc là, c'est voilà, ce que vous présentez ce matin, comment nous, juristes, on peut aussi amener de nouvelles solutions à la communauté de l'innovation, comment nous, juristes, on peut innover par rapport au droit numérique. Alors ça intéresse un certain nombre de choses, hein, de personnes. J'ai eu le cabinet Le Maire à plusieurs reprises dans le cadre de la nouvelle loi numérique, ça les intéresse beaucoup. Ils n'ont pas pu lever un prix tout de suite, mais pourquoi pas. Il y a l'IMODEV et le Master de droit numérique. Les étudiants, dans le cadre d'un projet pédagogique, vont contribuer cette année. Il y a l'INPI aussi qui est bien sûr intéressé. Voilà, donc pour l'instant, c'est enrichir. Dans mon workshop, je vous rappellerai succinctement ce qui est là où nous en sommes et ce qu'on aimerait bien développer dans l'année qui vient ou même dans les trois prochaines années, parce qu'on voit à trois ans sur ce sujet-là. Bon. Pour l'organisation des espaces, on va vous demander un peu vers quel sujet vous voulez aller. Alors, c'est pas un vote des meilleurs sujets, mais c'est quels sont vos centres d'intérêt pour qu'on puisse un peu évaluer le nombre de personnes. Donc, les gens qui sont intéressés par le sujet veille juridique. 1, 2, 3, 4, 5. Les gens intéressés par services en ligne, métier du droit. Attendez, là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste une... accès au droit en mobilité. 1, 2. Voilà. Vulgarisation et compréhension du droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Link data juridique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nouvelle solution des juristes, pour les juristes ou par les juristes. 1, 2. Bon. Oui. OK. Ah, ça, c'est la démocratie. Hein. C'est la démocratie. Mais tu sais, quelquefois, tu as un petit groupe de 4 et puis ils travaillent plus qu'un groupe de 25, hein, qui bavarde. Voilà. Alors, nous, on nous a dit qu'il y avait deux salles en haut. Il y a donc une salle qui doit s'appeler Londres et une salle qui doit s'appeler Amsterdam, si je me souviens bien, au deuxième étage. Donc, Thomas, tu veux Londres ou Amsterdam? OK. Ouais, d'accord, je sais pourquoi. Après la carto, l'accès au droit en mobilité, carto, on vous met à Londres.
Non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Non. Je recommence. On va mettre les gros nombres en haut parce que sinon ils vont faire trop de bruit en bas. Donc, je recommence à zéro. Ligne data juridique Amsterdam. C'est la vie. Et vulgarisation Londres. Alors, ce qui fait qu'ici, il y aura des petits groupes et qu'ils feront moins de bruit et que ça sera moins gênant, en fait. Voilà. Donc, Amsterdam, ligne data juridique Amsterdam, deuxième étage avec Jean. Je vous en prie. Vulgarisation et compréhension du droit avec Olivia Londres, deuxième étage. Oui. Oui, mais ils vont revenir. Ils s'en vont, mais ils reviennent toujours. Alors, vous avez une heure. Donc, quelle heure est-il? 15 heures. Bon, donc, à 16 heures, vous redescendez. Et je n'ai pas besoin de venir vous chercher. Hein. Et vous revenez avec quoi? Avec des rapporteurs qui doivent nous expliquer en une minute et demie ce qui s'est dit. Et éventuellement, s'ils ont réussi à documenter ça sur un Google Doc ou assimilé online, c'est bien. Alors, je recommande de prendre des fonctionnaires pour prendre la prise de notes, c'est les meilleurs. Et de très loin. Mais bon, ils ne sont pas obligés. Mais ils arrivent à rendre cohérent ce qui est apparemment du chaos. Donc, ça, a priori, c'est leur boulot. Les autres, on va faire des petits groupes ici. C'est bon? Alors là, on va s'organiser. On reste donc celui-là. Et celui-là. Celui-là, il va venir, on va le mettre là. Veille juridique, on le met là. Service en ligne, métier du droit, on les met là. Accès au droit, mobilité, on les met au fond là-bas. Et nouvelle solution juriste, on les met là-bas. Donc je recommence. Veille juridique ici. Service en ligne là devant. Là, vous pouvez même vous rapprocher de la table. Accès au droit tout au fond là-bas. Et également nouvelle solution juridique au fond à gauche. Voilà. Donc on a une heure pour traiter le sujet et faire un petit rendu.